Taking additional actions to support the people of Haiti as they deal with an ongoing security and humanitarian crisis. The Treasury Department is designating two Haitian politicians, Joseph Lambert and Yori Latortu, for having engaged in or attempted to engage in the international proliferation of illicit drugs or their means of production. Lambert's history with drug trafficking covers two decades now. During this time, he's used his official position to lead and facilitate the trafficking of cocaine from Colombia to Haiti and to facilitate impunity in Haiti for other narcotics traffickers. Like Lambert, Mr. Latortu has also had lengthy involvement in drug trafficking activities. He's engaged in the trafficking of cocaine again from Colombia to Haiti and has also directed others to engage in violence on his behalf. And the State Department is designating Lambert additionally for his involvement in significant corruption and a gross violation of human rights. Concernant le président du Sénat, Joseph Lambert, Matin Bandit attaqué. Et pendant que il y a un grand jour, il était pour mandat la bout. Et sécurité qui continuait sous même lancée alors que une nouvelle année fait commencer, rien semblait beaucoup à changer. Information confirmée qui fait qu'arrivé jeune dans sa nouvelle marchandise Haïti, mette payo fait attaquer sénateur Joseph Lambert dimanche 8 janvier 2023 pendant qu'il trouvé la sous-bicentenaire et le blessé en bas balle. La prend soin dans l'hôpital, dans la capitale. Là. Ta même gain yon agent sécurité sénateur qui t'a mouri. Mais nous pouvons vraiment confirmer si c'est vrai. N'a pas venir avec plus de détails sous ça. Mais c'est confirmé que Bandi Axam attaqué sénateur Joseph Lambert, libre balle, li l'hôpital. Pour rappel, demain lundi 9 janvier 2023, ap marqué fin mandat tiré sénat. Donc Joseph Lambert, parmi 10 sénateurs Sayo, mandat yo ap finir. Avant m'aller, qui t'aime rappeler tout haïtien qui vivent à Haïti, yo pas oublier choléra toujours là, OK? Il déjà tué 457 moun en Haïti depuis l'œil réapparaît là, ça fait environ 3 mois. D'après yon dernier bulletin MSPP te communiqué qui daté 3 janvier 2023. Donc l'important pour nous toujours laver mais nous donc faire tout ça nous devons faire pour éviter et prendre choléra. Bon, l'autre bagaille m'a pas souligné avant m'aller, c'est question agence qui a volé comme moun pour faire voyager le où il vient dans le pays où ça a été pensé, c'est pas ça. Mes amis, on va essayer de voir en pile plainte de une série de agences qui moun yo ba yo fait passeport, et c'est question visa, en pile nan yo, c'est comme moun yap marché prend et puis ba yo parole. Donc en pile plainte m'a pressé voir pour moun qui gen agence yo. Et m'a voué un message by tout moun qui connaît yo gen agence, et vous connaît on en sac pas ça, prochaine fois, et m'a obligé à venir en pile dans